J'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre de me retrouver avec vous face caméra. Je pense que ça doit faire 15 jours que j'ai pas fait de vidéo posée comme ça. J'en filme beaucoup moins maintenant. Je sais pas pourquoi, un coup de mou, un coup de machin, enfin bref, c'est pas grave. Là, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, je sais, c'est la deuxième vidéo haul que vous voyez en très peu de temps, mais la dernière était un peu pré-filmée d'il y a un petit moment déjà. J'ai eu la flemme de la monter et je l'ai enfin fait, donc vous l'avez vu normalement avant-hier pour vous. Et donc voilà, c'est une autre vidéo haul. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui ont changé de couleur. C'est avec la coloration Wash Out de chez L'Oréal, dont vous avez vu la vidéo normalement mercredi. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Franchement, je viens de la faire là aujourd'hui, puisqu'on est, mardi. Assez contente du résultat. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un peu de tout, franchement, il y a des trucs que j'ai achetés, il y a des trucs que j'ai reçus. Je mettrai les trucs que j'ai reçus en fin de vidéo parce que je sais que vous n'êtes pas toutes d'accord avec ça. Mais enfin, bref, et puis bah, on y va tout de suite. Je vais commencer par le foulard que je porte et les boucles que je porte, qui sont vraiment magnifiques. Les boucles sont super belles, j'adore. Et le foulard que je porte, bah, il est magnifique quoi. Je vais l'enlever 2 minutes pour vous montrer un petit peu. Il est superbe. Il est noir et gris, noir, gris et jaune comme ça, avec les pompons noirs et jaunes. Il est juste sublime ce foulard. Il est tout doux. Il est trop agréable, j'adore. Je l'ai reçu ce matin et je l'ai porté tout de suite, et les boucles c'est pareil. Donc ça, c'est un ensemble qui fait partie d'une foulard box que le site Les Bijoux de Mina a mis en place. Et je suis hyper contente parce que la foulard box, vous savez que je l'adorais, c'est une box qui s'est arrêtée. Et là, je suis hyper contente de pouvoir retrouver une foulard box. Donc Sylvette de la boutique Les Bijoux de Mina ne sait pas encore si elle en fera une tous les mois, si elle en fera une de temps en temps. Mais elle va mettre en place ça et je trouve ça génial. Donc là, pour le foulard et les boucles, c'est 10,95€. Donc franchement, je trouve ça raisonnable. Et franchement, les produits sont de très très bonne qualité. Je vous ai déjà parlé de cette boutique maintes et maintes fois. Et voilà, je suis totalement fan. Ça, ce n'est pas du tout un partenariat. C'est moi qui l'ai acheté parce que franchement, j'avais craqué sur le foulard. Je le trouvais magnifique. Donc quand j'ai vu qu'il faisait partie de la box, j'ai craqué totalement. Donc elle ne sait pas encore bien si elle va faire en box cachée, si elle fera en box où elle vous montrera les produits pour que vous puissiez vous donner un avis. Mais en attendant, je suis trop fan et contente de pouvoir retrouver des foulards box. Toujours sur ce site, je me suis pris un autre foulard parce que j'ai totalement craqué dessus. Je pense que si vous êtes un peu fashionista entre guillemets, ou que vous suivez un peu, vous aimez pas la mode, etc., vous n'avez pas pu passer vous n'avez pas pu passer sur la mode des écussons. Les écussons, c'est ces petites choses là on en voit partout, sur les robes, sur les chemises, sur les sacs, sur les chaussures. D'ailleurs, je vais vous faire un article très très bientôt sur mon blog sur les pièces que je trouve sympas avec des écussons. Et là, elle a des foulards sur sa boutique. Celui-là, c'est un foulard carré, mais elle en fait aussi en foulard long comme cela. Et j'ai totalement craqué dessus. D'une, sur la couleur, qui est un peu un vert kaki style armé, mais un vert kaki doux que j'aime beaucoup. Et donc c'est un foulard qui est un foulard carré, donc vous mettez triangulaire hein, quand vous voulez le porter. Et en fait, sur la pointe, vous avez les fameux écussons qui sont comme ça. Je trouve ça franchement trop sympa. Porté sur un pull noir, je trouve que ça fait un look très 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 sympa. Ça, je pense que ça, porté avec mes petites Converse grises argentées, ça va faire juste super joli. Et voilà, je suis trop trop contente de l'avoir. Celui-ci, je crois qu'il était à 8,95€, mais de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Franchement, ils sont trop beaux, ils sont trop doux. Ouais, j'adore. Ils sont trop sympas. Et je sais pas si vous vous aimez, dites-moi un peu si vous allez craquer à la mode écusson ou pas. Mais en attendant, moi je trouve que c'est une mode qui me rappelle énormément mon enfance. Dans les années 90, tout ça, il y avait pas mal d'écussons. Donc voilà, très très contente d'avoir eu celui-là. Et Sylvette m'a gentiment mis un petit cadeau. Donc ce sont des petits clous d'oreilles comme ça, gris. Et je les trouve très choux. Et ceux-là, je vais les porter, c'est sûr, parce que... On va continuer dans le bijou. Je suis passée chez Claire's la semaine dernière. Je suis allée chez Claire's à... au centre commercial Auchan d'Amiens, donc de Durie. Et j'ai vu que chez Claire's, ils faisaient 3 achetés, 3 offerts. Et ils faisaient 3 achetés, 3 offerts également sur les prix top. Donc les prix top, c'est tout simplement les fins de solde. Et j'ai craqué sur certaines choses. Et je me suis dit qu'au final, quand j'ai vu les prix de ce que j'avais payé et les prix que valent les bijoux Claire's à la base, ben, j'ai fait une affaire. Donc je suis hyper contente, je vous montre ça tout de suite. Alors le premier bijou que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un sautoir qui est en... Je vais vous rapprocher, ça ira mieux peut-être. Donc voilà, je
vous ai rapproché un peu, ça ira mieux. Donc le premier bijou que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un sautoir, vous savez, c'est des cordons comme ça, il y a 4 cordons de chaque côté. Et en fait, c'est un sautoir avec tout en bas un pendentif comme ceci, avec des plumes, une petite perle carrée en bois comme ça. Voilà, j'ai trouvé trop chou avec ses petites plumes et tout, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Et celui-ci normalement était en réduction à 7 euros, en sachant qu'à la base il fait 14,99 €. Donc voilà, ça valait le coup. Et voilà, je vous dirai après combien j'ai payé en tout pour tous les bijoux Claire's, mais celui-ci je l'ai trouvé très joli et je sais que je le porterai facilement. Ensuite, toujours chez Claire's, c'est un peu... Ensuite, toujours chez Claire, j'ai trouvé cette petite parure là. Donc vous avez les petites boucles d'oreilles qui étaient vendues comme ça. C'est tout vendu tout ensemble. Donc il y a les petites boucles d'oreilles qui sont comme ça. Et vous avez, je viens de me rendre compte qu'en fait c'était deux colliers. Donc vous avez le premier collier qui est ici, qui est un pendentif comme ça, comme les boucles d'oreilles. Et vous avez le second collier qui a des petits trucs comme ça. Donc vous pouvez le porter tous ensemble, tout simplement, hein. Je vous montrerai de plus près. Voilà, tous ensemble, je pense que c'est hyper sympa. Je trouve ça très joli. Ou alors, vous pouvez les porter dépareillés et je trouve l'idée plutôt sympathique. Donc ça, c'était à 7 euros également. Et normalement, je vais essayer de voir le prix d'origine. Normalement, ça valait 19,99 €, ça. Voilà. Donc très, très joli. J'aime beaucoup les boucles. Je les trouve vraiment belles. J'aime beaucoup les, ouais, les petits trucs là décorés. Je trouve ça sympa. Voilà. Celui-ci est très joli également et la qualité est plutôt pas mal. Ensuite, en plus simple, mais je l'ai trouvé très joli aussi, toujours une parure. Donc vous avez les petites boucles d'oreilles qui sont vraiment très 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 simples, c'est juste des petites tiges dorées. Et vous avez le collier qui est à multi-rang, multi-chaîne, donc des chaînes basiques qui sur le bas aussi. Et dans le milieu, vous avez des petites tiges dorées comme les boucles d'oreilles. J'ai trouvé ça hyper sympa, celui-ci était à 7 euros également au lieu de 14,99 €. Donc voilà, hyper sympa, franchement je trouve ça sur un petit pull noir et tout, je trouve ça assez chic et je trouve ça assez sympa. Ensuite, le quatrième que j'ai pris, bon là j'ai les deux, hein. J'ai les deux, mais il y en a une que j'avais voulu essayer. Donc c'était une petite parure également avec des créoles. Bon, les créoles c'est définitivement pas mon truc, ça me va pas du tout. Et par contre le collier je l'ai trouvé très joli. Il est argent et doré en fait, j'ai bien aimé le principe. Donc vous avez deux fils argent comme ça. Vous avez le premier collier qui se finit avec des petites perles dorées et le deuxième qui se finit avec un pompon doré. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, facile à porter aussi, voilà, très sympa. Et celui-ci était en promo à 10 euros au lieu de 16,99 €. Donc voilà. Hop. Et on va finir avec Claire's. Donc l'avant-dernier collier que j'ai à vous présenter de chez Claire's, c'est celui-ci. Donc c'est un collier que j'ai trouvé très sympa par son côté ethnique au niveau des petites perles de bois. Donc voilà, c'est un collier qui est mi-long et qui est avec un triangle comme ça et des petites pampilles, enfin des petites chaînes qui descendent sur le bas. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense que porter, il peut faire son effet. Donc voilà, celui-ci était à 7 euros au lieu de, hop, 14,99 €. Voilà. Et le dernier sur lequel j'ai craqué, alors... il est un poil abîmé, mais je pense que je vais pouvoir faire quelque chose, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose de côté abîmé. Donc c'est un très long sautoir comme ça. Donc vous avez deux chaînes argentées, toujours chaîne d'ajustement chez Claire's, et vous avez le pendentif qui se présente, hop, qui se présente, je vais y arriver, qui se présente comme ceci. Donc c'est turquoise et marbre, turquoise, non, c'est turquoise bleu et turquoise blanche, puisque la turquoise blanche existe. Donc c'est comme ça, c'est vraiment très joli. Et sur le bas vous avez des petites chaînettes avec des petites feuilles, des petites perles. Et là où je vous dis que c'est abîmé, je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, vous voyez, par exemple celui-ci, la petite pampille, il manque une petite plume en fait. Donc voilà, ça fait ça, et je pense qu'il y a des petites chaînes qui sont un peu plus ou moins coupées, mais bon, ça se voit à peine, et je vais m'arranger avec ça, je vais essayer de magouiller pour que, voilà, transformer avec une petite pince, on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà, il est vraiment très très joli, et celui-ci était à 10 euros au lieu de... au lieu de... 22 €, mais vu qu'il y avait 3 achetés, 3 offerts, j'ai acheté les 6 colliers, enfin 6 parures et 6 colliers pour 27 €. Et j'essaierai de vous faire le calcul de ce que j'aurais payé normalement sans les soldes, et je crois que ça va faire mal. Donc voilà, franchement je suis très très contente, j'ai des petits bijoux, vu que j'ai trié pas mal, j'en ai jeté pas mal qui étaient un peu abîmés tout ça, j'ai des nouveautés en bijoux et je suis assez contente. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez
chez Sephora, enfin deux petites commandes puisque je suis gold, donc quand on est gold on paye pas les frais de port, et vu qu'il y avait un code promo de moins 20% qui était actif que sur un produit et pas deux, bah dans ces cas là je passe plusieurs commandes quand je veux plusieurs produits. J'ai passé des petites commandes pour des rouges veloutés sans transfert, voilà, donc dans la dernière vidéo je vous en avais montré 3 il me semble. Et là j'en ai repris 2, dont celui que je porte aujourd'hui qui est la teinte numéro 17, je vous mets son petit nom là quelque part, qui est vraiment magnifique. C'est un, je voulais un rouge, mais en fait les swatchs de chez Sephora, enfin les couleurs de chez Sephora, quand on regarde les couleurs, ne correspondent pas du tout à ce que ça c'est en réalité. Donc là il est comme ça, c'est vraiment un rouge brique assez foncé, je pensais que c'était plus un rouge rouge, mais c'est vraiment un rouge brique assez foncé. Il est très joli, donc je vous ai dit que c'était la teinte 17. Et j'ai pris également la teinte 13, qui lui est le Marvelous Mauve, que tout le monde parlait. Et ben, je pensais qu'il était beaucoup plus mauve que ça. Et en fait, c'est un vieux rose, quoi, tout simplement. Il est ici. Ils sont très jolis, franchement, moi je les aime bien. Ils sont pas très chers. Et avec les codes moins 20 ou moins 25, vous pouvez les choper à peu près 8€. Donc ça vaut vachement le coup. Et ils n'ont rien à enlever aux grandes marques. Donc voilà, je suis assez contente de ça et assez contente de mes deux achats. Franchement, celui-ci, je le trouve magnifique. Il est vraiment superbe. Quand je suis allée à Auchan, je suis passée chez Nocibé parce que j'avais une envie folle de m'acheter du parfum. Et bon, je vais vous avouer que là c'est le pur craquage. Comme mon ami m'a dit, t'en avais envie? J'ai dit oui. Tu t'es fait plaisir? Je lui ai dit oui. Elle dit bon, tout va bien. Donc j'ai craqué, voilà, j'y suis allée à la base pour sentir le nouveau Narciso Rodriguez For Her. Donc c'est le fleur musc et j'ai vu dans le magasin qu'on avait moins 40% sur le deuxième produit. Et vu que ça faisait des mois et des mois et des mois que je n'avais plus de bonbons de Victor & Rolf et que je le voulais, bah, j'ai craqué, j'ai pris les deux. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer rapidement les flacons. Alors, le Narciso Rodriguez For Her, donc le fleur musc. Alors, il faut savoir que moi, les parfums, je les achète toujours en 30 ml parce que je change régulièrement. J'en ai beaucoup d'ailleurs de parfums. Vous m'avez demandé ma vidéo parfum, il faut que je vous la fasse à tout prix parce que vous me la réclamez sans cesse. Donc, le fleur de musc Narciso Rodriguez For Her, il se présente comme ceci. Je le trouve très joli au niveau du packaging. Franchement, c'est assez sympa. C'est rose, c'est girly. Et au niveau de l'odeur, celui-ci... il est vraiment, c'est une odeur très fraîche, c'est vraiment une odeur de printemps celui-là. Alors, contre toute attente, je ne suis pas une grande fan de musc. Et franchement, celui-ci sent vraiment très très bon, j'aime beaucoup. J'essaierai de vous mettre les notes olfactives qui défilent un petit peu sur l'écran. Et voilà, je suis assez contente de mon achat, je suis très contente même de mon achat. Et voilà. Celui-ci, et l'autre c'est le bonbon de chez Victor & Rolf. Je pense que les youtubeuses vous ont assez rabattu les oreilles avec le bonbon, mais je vais vous montrer quand même la bouteille parce qu'elle est magnifique. Moi j'ai ma bouteille vide encore et j'ai pas encore osé la jeter tellement je trouve la bouteille magnifique. Donc voilà, c'est vraiment le bonbon, enfin le petit nœud papillon, voilà. Et cette odeur du bonbon, c'est... ça sent trop bon. C'est vraiment un parfum que je vais porter maintenant. L'autre, je ne porterai plus, je pense, au printemps. Mais franchement, je suis hyper contente de mes achats. Voilà. Et la vendeuse, je lui ai gentiment demandé si elle n'avait pas une miniature. Et elle m'a offert celle-ci. Donc, c'est une miniature de chez Guerlain. Et c'est la petite robe noire. Voilà. Et je ne l'avais pas, celle-ci. Donc, ça tombe très, très bien. Voilà. Elle ira rejoindre ses petites copines. Ensuite, au passage, je voulais vous reparler d'une chose dont je vous ai parlé dans ma vidéo live, vlog, excusez-moi, dans ma vidéo vlog. J'avais acheté ça chez Nose. Donc, c'est un shampoing, un après-shampoing de la marque Très Aimée. Quand j'ai vu ça chez Nose, je me suis dit, cette marque me dit quelque chose. Je les ai pris parce que franchement, ils étaient à 1,50€ pièce. Donc, le duo, 3€. Et quand j'ai regardé sur Internet, ça aussi entre 25 et 40€ le duo. Donc, je me suis dit que j'avais fait une très très bonne affaire. Donc, si vous avez des magasins Nose pas loin de chez vous, essayez d'aller voir. Parce que j'ai vu passer des petits trucs sur Facebook comme quoi il y avait pas mal de trucs de la marque Très Aimée qui arrivaient chez Nose. Donc voilà. Et si vous en savez plus sur cette marque, dites-moi parce que je ne sais plus où j'en ai entendu parler. Je crois que c'est une youtubeuse qui en avait parlé, qui l'aimait beaucoup. Mais voilà, je vais essayer ça, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, j'étais passée chez Leclerc pour acheter, parce qu'on est en attente de récupérer une voiture avec mon mari. Et voilà, on s'est dit on va aller là le temps d'attendre. Et j'ai acheté quelques petites choses. Donc je m'étais acheté le fameux...
fond de teint dont tout le monde parle, c'est l'effaceur fond de teint soin anti-âge de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci, vous savez, avec l'embout mousse comme ça. Moi je l'ai pris en teinte 20 beige éclat, je l'aime plutôt bien, mais c'est pas, voilà, je suis un peu déçue parce que j'en attendais beaucoup plus que ça. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ça salit hyper vite. Enfin, c'est franchement pas top. Mais bon, il est bien comme fond de teint, mais c'est pas le fond de teint de l'année pour moi. Voilà. Mais sinon, je suis contente de mon achat, mais sans plus. Ensuite, j'avais craqué sur ça. C'est la nouvelle crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal. Donc, ça démaquille intensément, nourrit, réconforte. Et c'est à la rose et aux jasmins apaisants pour les peaux sèches et sensibles. Il me semble qu'il existe aussi pour les peaux mixtes à grasse, mais je ne suis pas certaine. Je crois que j'ai entendu parler de ça quelque part. Donc, moi, j'avais craqué dessus. Celui-ci, il est fermé parce que je l'ai reçu de Sublime. Mais moi, j'avais craqué dessus avant. Et comme j'en ai un entamé, je vais pas entamer celui-là. C'est un peu dommage. J'aime beaucoup ce démaquillant. Il vous laisse il démaquille bien, mais attention. En fait, ils disent à l'arrière de prendre un peu de pâte, de le mettre sur les yeux et ensuite d'effacer avec un coton. Je trouve que ça ne démaquille pas du tout bien de la façon dont ils disent. Moi, je prends de la pâte, j'émulsionne sur mon visage, je mouille mes mains, je réémulsionne et ensuite j'y vais avec un coton à démaquiller lavable. Et là, le démaquillage, il est parfait. Ça vous laisse une peau douce, ça vous laisse une peau repulpée, ça vous laisse une peau apaisée. Franchement, je suis hyper, hyper fan de ce démaquillant. J'en suis vraiment folle et même si j'oublie de mettre ma crème de nuit le lendemain matin, j'ai pas la peau qui tiraille, j'ai pas la peau voilà, qui est sèche, et franchement il est vraiment vraiment génial et je vous le recommande largement. Et je m'étais aussi pris le Colorista Fader, donc c'est le fameux shampoing qui est censé faire disparaître un petit peu, accélère le retour à la couleur initiale quand vous faites une coloration, et plus particulièrement les colorations wash out comme j'ai fait dans mes cheveux. Donc voilà, comme je ne savais pas bien où j'allais avec cette coloration, je me suis dit que j'allais prendre ça au cas où, c'était toujours utile. Voilà, c'est juste pour vous signaler que ça existait. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec mes achats personnels, on va passer un petit peu à ce que j'ai reçu. Mais franchement, restez avec moi parce qu'il y a des trucs assez sympas dont je vais vous parler. Alors, j'ai reçu de la marque Silit Blend, donc ils m'ont contacté savoir si ça m'intéressait de recevoir, vous savez, les petites éponges en silicone là, et je me suis dit pourquoi pas. Moi j'avais acheté celle de chez Julicious, d'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai fait un live, j'essaierai de vous mettre la vidéo du live en barre d'infos, mais je sais pas si je vais y arriver. Je vous ai fait un live où je me maquille avec ces petites éponges là, et franchement c'est assez sympa, c'est assez perturbant au début quand on utilise, mais à la longue au final je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai reçu trois tailles différentes. Donc il y a la taille basique. Bon là je suis désolée, elles sont sales, je les ai remis comme ça, mais je me suis maquillée avec, faut que je les lave. Donc voilà, j'ai reçu la première taille qui est comme ceci, donc celle qu'on voit le plus. Et celle-ci elle est vraiment vraiment molle. Celle de chez Julicious que j'avais est beaucoup plus épaisse et dure et compacte, et celle-ci est vraiment molle et je trouve que l'utilisation elle est beaucoup mieux sur celle-ci que celle de cette Julicious. Donc je suis assez contente de celle-là, franchement celle-ci pour tout le visage elle est juste nickel. Ensuite j'avais reçu celle qui est un petit peu en espèce de triangle comme ça. Elle est très très bien aussi celle-ci, elle est un peu plus compacte que la première, mais ça c'est cool pour les zones un peu plus, vous voyez, pour tapoter sur les zones comme ça au niveau des joues, tout ça. C'est vraiment génial, franchement Je suis bluffée par ces petites choses parce que je me suis dit c'est pas top top, mais à l'utilisation quand on les utilise au quotidien, moi ça fait un peu plus d'une semaine que je les utilise maintenant, ouais à peu près une semaine, ouais quasiment 15 jours même, et je commence à m'y faire et je trouve ça plutôt pas mal quand même. Et la petite dernière c'est une ronde toute simple. Et celle-ci, je la trouve vraiment bien pour l'anti-cerne, parce que vous pouvez vraiment, vous savez, la twister comme ça sur votre main et vraiment venir tapoter sous l'œil. Et franchement, je trouve ça vraiment top. Et celle-ci, elle est vraiment molle comme la première, donc c'est vraiment hyper bien. Donc voilà, je suis assez contente, franchement. Voilà, j'étais pas complètement... Comment vous dire, première utilisation, je me suis dit c'est une dope ce truc, c'est pas possible, ça marche pas, c'est une cata, ça laisse des traces et tout. Mais une fois que vous avez bien compris comment vous en servez, c'est-à-dire qu'il faut étaler la matière avec ça et ensuite tapoter pour que la matière rentre bien dans la peau, et bien une fois que vous avez compris ça, c'est révolutionnaire ces petits trucs-là et moi j'en suis hyper contente. Donc je remercie beaucoup la marque Silit Blend et je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller tester. Ensuite, j'ai reçu grâce à Influence for Brand un petit master camo de chez
chez Maybelline. Donc c'est les toutes nouveautés qu'ils ont sorties. Donc ils ont sorti plusieurs choses. Il y a ça, il y a un truc pour les lèvres, il y a un truc pour le teint. Enfin, il y a plein de choses en nouveauté. Donc ça, c'est quoi? C'est le kit correcteur teint. Donc vous avez à l'intérieur 6 fards, on va dire entre guillemets, 6 correcteurs. Donc vous avez plus exactement 2 correcteurs, 2 anti-cernes et 2 enlumineurs. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc moi j'ai reçu la teinte light, il me semble, c'est plus marqué nulle part, mais moi j'ai reçu la teinte light, j'en suis quasiment certaine. Oui, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, vous avez un petit pinceau comme ça, à double embout, qui est un vrai pinceau, donc ça j'ai trouvé ça sympa. Et sinon vous avez donc les deux correcteurs ici, donc vous avez le correcteur... Donc le correcteur jaune qui lui camoufle les taches et le correcteur vert qui est là pour atténuer les rougeurs. Vous avez ici 2 anti-cernes, donc ils disent que vous pouvez les utiliser soit l'un soit l'autre, soit mélanger les deux pour obtenir la teinte parfaite avec l'harmonique couleur de votre peau. Et ici vous avez 2 enlumineurs, donc... Ils disent qu'il faut appliquer sur les pommettes, le milieu du front, l'arête du nez, le menton et sous l'arcade sourcilière. Donc voilà, il y a 2 couleurs, il y en a un qui est un peu plus irisé que l'autre. Et je trouve ça hyper sympa de les avoir ensemble. Après, personnellement, je trouve que c'est un peu gras. Personnellement, pour moi, les anti-cernes comme ça, c'est beaucoup, beaucoup trop gras. Ça me fait comme un effet plâtre sous les yeux et j'aime pas du tout. Par contre, le correcteur vert posé tout seul, il est vraiment génial. Et les enlumineurs crème comme ça, je trouve ça sympa quand vous voulez vraiment un maquillage assez sophistiqué. Je trouve que les enlumineurs crème, c'est plutôt sympa. Donc je suis assez contente de cette petite kit correcteur de teint. C'est compact, ça peut s'emmener partout, donc assez sympa. Ensuite, je vous avais parlé il y a quelques temps de Soufil. Je crois que c'était dans un vlog que Soufil m'avait contacté et que au final ça ne m'intéressait pas plus que ça, et ils n'ont pas arrêté de me contacter encore et encore et encore, et j'ai fini par regarder vraiment attentivement. Mais en fait, ce qu'ils voulaient m'envoyer à la base ne m'intéressait pas du tout, donc je leur ai renvoyé un mail tout simplement en leur disant que ce qu'ils voulaient m'envoyer ça ne m'intéressait pas, et ils m'ont dit il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir sur le site ce qui vous intéresse. Donc j'ai passé le pas et j'ai reçu hier mon petit paquet Soufil comme ça. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu. Donc à l'intérieur, tous les bijoux étaient emballés dans un petit enveloppe bulle comme ça. Sinon, dans le paquet vous avez la petite pochette papier comme ça, si vous faites un cadeau, voilà, vous l'avez. Vous avez également un petit pochon comme ceci pour... Qu'est-ce qu'il y a au fond? Mais il y a encore un truc. Vous avez un petit pochon comme ceci si vous voulez mettre votre bracelet dedans, tout ça. Et vous avez la jolie boîte qui se présente comme ceci avec le petit bracelet dedans. Bon, le bracelet n'était pas dedans quand je l'ai reçu, mais moi je l'ai mis dedans pour vous le montrer parce que je trouve que la boîte est hyper jolie. Alors, de mémoire, il me semble que ça avait déjà fait un peu un tollé entre guillemets sur les réseaux. Quand vous êtes en partenariat, vous recevez la boîte, et quand vous achetez vous-même, je crois que la boîte n'est pas comprise dedans. Alors je sais pas si ça a évolué ou pas, mais je sais que voilà, si vous êtes au courant, si vous achetez régulièrement chez Soufil, dites-moi un petit peu si vous recevez la boîte ou pas. J'essaie de l'ouvrir, c'est bon. Hop. Donc le bracelet que j'ai choisi, c'est un bracelet style Pandora, hein, puisque Soufil fait des bracelets de ce style-là. Et je vais vous montrer comment il est. Alors. Voilà. Donc moi j'ai choisi le bracelet qui est comme ça, qui est un bracelet basique, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, avec la petite fermeture là. Ce que je leur reproche moi à ces bracelets, c'est que la fermeture est hyper 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 compliquée à ouvrir quand vous êtes seul. Personnellement j'arrive pas à l'ouvrir comme ça tout seul. Franchement, si il se décroche à votre poignet, c'est vraiment, vraiment que je vous avais fait je ne sais pas quoi. Mais c'est impossible à ouvrir seul. Moi, il faut que j'utilise un petit coupe-ongle pour glisser entre les deux pour pouvoir l'ouvrir. Alors, déjà, ouvrir comme ça, c'est compliqué quand on a ses deux mains. Mais s'il est à votre poignet, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas l'enlever du tout. Donc, je ne sais pas. J'ai envoyé un mail à Soufil pour qu'il me dise si c'est le mien qui a un problème ou si c'est comme ça sur tous. En attendant, voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Sinon, au niveau des perles, j'ai décidé de prendre 2 perles. Hop. Donc voilà, il y a une petite perle avec des brillants où vous avez un M et l'autre où vous avez un H. Donc le H pour mon prénom Hélène et le M pour le prénom de mon mari Michael. Mais ça ne veut pas faire la mise au point.
Voilà, là vous voyez. Elles sont vraiment très jolies, franchement, c'est très très sympa. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Et j'ai décidé également de me prendre cette petite... là, c'est une petite chaînette de sûreté que j'ai trouvée très jolie avec une petite étoile et une petite lune et la petite chaînette. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique, assez sympa. Ouais. Très joli, très mignon. Et je pense que j'en rachèterai d'autres de petits charmes pour mettre. Là, j'ai HM, donc moi et mon mari, j'essaierai d'en trouver un avec un petit toutou. Enfin voilà, des petites perles qui me rappellent un petit peu ma vie de tous les jours, quoi, en fait. Et j'ai reçu également celle-ci. Alors, je crois que celle-ci, c'est une petite perle pour bloquer les autres perles. Oups là. Ouais, c'est ça, c'est une petite perle pour bloquer les autres perles. Donc, elle est vraiment très, très petite comme ceci. Voilà. Donc, voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous mets également un code promo de 15%, il me semble, si vous voulez commander sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un de votre entourage. Parce que franchement, c'est un très très beau cadeau, je trouve, de recevoir un bracelet, par exemple, à votre meilleure amie avec son initiale et la vôtre, pourquoi pas. Ou quand une maman a un enfant, lui offrir un bracelet avec un charme qui représente la naissance ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un très 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 beau cadeau. Et voilà, je serais assez contente de recevoir ça, moi, au final. Donc voilà. Et j'ai reçu également le certificat d'authenticité qui me dit que mon bracelet est bien en silvery métal. Ouais, c'est ça. Donc silvery métal. 928,2 pour 1000. Voilà, je vous montre un petit peu la petite carte. Donc sinon, je vous mets toutes les infos sur ce site en barre d'infos. Que j'ai fini avec cette vidéo haul. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez bien. Et si vous avez des sites à me conseiller pour faire des achats ou des choses comme ça, des parfums à me conseiller, des bijoux à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!